Coliner, back sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce que ça fait un petit bout de temps que j'y pensais. Un petit bout de temps que j'attendais cette période aussi, qui est Halloween et qui est une de mes périodes préférées, même ma préférée après Noël quand même, je pense. Donc voilà, c'était vraiment le mois que j'attendais avec impatience, le mois d'octobre, pour charbonner des vidéos d'Halloween. C'est vrai qu'en ce moment avec la fac je galère pas mal à sortir des vidéos, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc j'espère pouvoir vous en sortir plusieurs. En tout cas, je pense que toutes les vidéos du mois d'octobre seront des vidéos d'Halloween. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma petite déco d'Halloween, ma chère petite citrouille qui m'accompagne. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous poste pas mal de petites photos, je vous raconte ma vie. J'ai d'ailleurs commencé un compte de photographie, voilà, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Je fais un petit peu de photos, je suis amatrice mais j'aime beaucoup ça. Voilà, mon compte s'appelle Cocoliner Studio, donc n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse. Donc comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, je suis un peu malade, je suis désolée mais il fallait quand même que je filme. J'espère que ça vous dérangera pas trop, je vais essayer de faire avec. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire du père Castor. Je vais vous raconter une histoire, je sais que vous avez bien aimé ça. Faut savoir que l'année dernière, à peu près à la même période en octobre, je vous avais sorti une vidéo sur la véritable histoire de la poupée Annabelle que j'essaierai de vous mettre dans le petit i. Donc bref, cette vidéo elle parlait du coup de la vérité sur la poupée Annabelle qui a fait des films très célèbres. Et aujourd'hui du coup je vais vous faire la même chose mais avec la poupée Chucky. Pas mal de gens m'avaient proposé en commentaire d'autres histoires d'horreur à vous raconter. Et entre autres la poupée Chucky. Et c'est vrai que c'est grave le genre de vidéo que j'adore faire parce que moi les trucs d'horreur, vous savez que c'est ma passion. J'aime beaucoup les films d'horreur, même si ça me fait peur, j'adore ça, vraiment. Et c'est vrai que j'ai vu certains de Chucky, je les ai pas tous vus, mais j'ai trouvé ça pas mal. J'avoue que j'ai quand même préféré Annabelle, mais c'est vrai que tout ce qui est autour de Chucky, ça fait assez peur, parce que ben, si vous avez pas vu les films, la poupée de Chucky ressemble à ça dans les films, et c'est vrai qu'elle fait vraiment peur. Et surtout, elle a une voix de mec, genre horrible, on a l'impression qu'elle va te tuer, enfin clairement c'est ce qu'elle fait de toute façon. Donc voilà, pour ceux qui la connaisseraient pas, je vais d'abord vous faire un petit résumé des films Chucky, en tout cas du premier, de l'histoire un peu simple, et ensuite vous raconterai du coup la vraie histoire parce que je le savais pas, mais la poupée Chucky a une vraie histoire, et d'ailleurs c'est pas son vrai nom, la vraie poupée elle s'appelle Robert. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu trouver un nom un peu plus classe. Je suis désolée à tous les Robert qui regardent ma chaîne. C'est vrai que sur une poupée c'est pas foufou. Je vais vous raconter son histoire en espérant que ça vous plaise. Prenez un bon thé, posez-vous et c'est parti. Du coup pendant cette vidéo je vais essayer de vous mettre des petites photos pour rendre ça un petit peu plus attrayant. Soit ça sera des photos que j'ai trouvées des vraies personnes, de la vraie poupée, sachant que je vais quand même plus galérer, on est bien d'accord. Soit ça sera peut-être des photos que j'aurais pris dans les films, soit de Chucky, soit de la vraie poupée, parce que je vous le dirai après. Mais il y a vraiment eu un film sur l'histoire que je vais vous raconter. Donc voilà. Et je tiens à le préciser, comme je l'avais fait pour la poupée Annabelle sur ma vidéo l'année dernière, c'est vrai que vu que je vais m'inspirer de sites qui ont fait des articles sur cette histoire, c'est possible que j'ai pas tous les éléments qu'il faut, peut-être que je me trompe sur certains trucs, mais en gros je vais vous raconter l'histoire en tant que telle avec les faits. Mais si je me trompe sur un ou deux trucs, voilà, c'est vraiment pas voulu. Et surtout j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les noms des sites que j'utilisais pour les créditer, parce que c'est grâce à eux que je ferai cette vidéo. D'ailleurs si vous avez des vidéos d'Halloween à me conseiller, parce que ces vidéos là je les fais avant tout pour vous, même si je kiffe bien les faire, dites les moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse vraiment, parce que là le mois d'octobre on est déjà dedans, et si vous voulez que je sorte des vidéos qui vous plaisent, bah dites les moi. Ok, donc déjà je vais vous faire un petit topo sur l'histoire de Chucky. Si vous ne connaissez pas, il y a plein de films qui ont été faits à partir d'une poupée qui aurait été hantée. On connaît le concept maintenant après Annabelle. Donc même si elle était un peu moins connue qu'Annabelle, elle a quand même fait fureur parce que c'est des films qui ont été super connus. C'était un peu les premiers films d'horreur avec une poupée, si je me trompe pas. Donc ces films ils datent des années 80, donc c'est peut-être pour ça que vous les connaissez pas tous. Après il y en a qui sont un peu bizarres, je vais pas vous mentir, mais l'idée est quand même cool d'une poupée qui veut buter des gens. On kiffe. Donc cette poupée elle s'appelle Chucky. Voilà sa petite tête, elle fait très peur, elle a des petites cicatrices. Donc l'histoire du film, en gros pour la faire courte, c'est l'histoire d'un tueur en série. Donc il s'appelle Charles Lee Ray. Et du coup c'est un tueur en série qui est en cavale parce qu'il essaie de s'enfuir parce que forcément il est recherché. Et qui s'y connaîtrait dans tout ce qui est un peu le monde occulte, le vaudou, les trucs comme ça. Et en fait un jour il aurait été traqué du coup par la police dans un magasin de jouets. Et en mourant il aurait réussi à transvaser son âme dans une poupée dans le magasin de jouets. Voilà, super glauque. Faut savoir que le modèle de la poupée était très populaire, du coup il a choisi le bon modèle pour se mettre dedans et savait que la poupée allait forcément être achetée un jour ou l'autre. Et du coup après globalement l'histoire du Chucky c'est l'histoire du coup de cette poupée qui a l'âme en fait d'un tueur en série et qui du coup porte sa voix, donc c'est super glauque, ça je peux vous le dire, et qui du coup va être achetée par un petit garçon. Voilà, ça va être compliqué parce que Chucky va vouloir tuer cet enfant, c'est génial, et en gros va vouloir tuer à peu près tout le monde. Et surtout si j'ai bien compris l'histoire du film, l'enjeu en fait du film c'est que finalement il se rend compte de la poupée qui peut finalement transférer son âme dans un corps humain, mais ce corps humain c'est pas n'importe lequel, c'est finalement la première personne à qui il révèle son secret. Si j'ai bien compris,
C'est en gros ça, l'histoire de Chucky. Si je me suis trompée ou que j'ai pas dit tous les détails, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires ou à raconter l'histoire de Chucky telle que vous l'avez comprise, je suis sûre que ça intéressera du monde. Mais en gros voilà, c'est un peu l'histoire banale de la poupée qui veut posséder des gens pour finalement être dans un corps humain plutôt que le corps d'une poupée, c'est quand même mieux. Sauf que bah voilà, ici on est vraiment sur un tueur en série qui est incarné dans une poupée et qui avait déjà fait beaucoup de meurtres et qui du coup va vouloir continuer à en faire. Donc du coup c'est un peu plus glauque je pense qu'Annabelle sur ce point là. Parce que du coup c'est vrai qu'il parle, il marche et il se passe vraiment plein de trucs dans les films, je vous laisse aller les voir. Du coup maintenant on va passer à la vraie histoire qui est un peu plus longue, plus détaillée et plus flippante parce que du coup c'est une histoire vraie, en tout cas c'est des faits qui auraient été réels qui ont été racontés. Après on y croit ou on n'y croit pas, encore une fois c'est comme dans Annabelle, hein, je vous le dis. Je vous donnerai un petit peu mon avis à la fin de la vidéo mais je pense que chacun peut se faire son propre avis, de toute façon ça reste des faits qui ont été réels mais forcément ils ont pu être déformés un petit peu avec le temps donc voilà. Donc la vraie poupée s'appellerait Robert la poupée ou Robert the Doll. Je vous mets une petite photo de sa tête juste ici. Alors ok il a pas de cicatrice mais je trouve qu'il fait aussi peur que Chucky franchement. Mais bon après c'est peut-être parce qu'on sait qu'elle est hantée, de base peut-être qu'on l'aurait bien aimée, je ne sais pas. En tout cas c'est cette poupée qui a causé autant de problèmes et du coup je vais vous raconter son histoire qui a inspiré du coup les films très célèbres Chucky qui ont beaucoup marché et qui ont du coup après inspiré plein d'autres films pour faire des films de poupées tout simplement. Donc cette histoire commence en 1896 pour être précise. Donc c'est un homme qui s'appelle Thomas Otto et sa femme, donc ils sont installés en Floride et qui ont un petit garçon. Donc leur fils il s'appellerait Robert Eugène Otto et en fait la légende dit que parmi les serviteurs de du coup monsieur et madame Otto il y aurait une femme, donc j'ai vu certains sites qui disent que c'est un homme, d'autres une femme, qui était en fait haïtienne et qui en fait s'adonnerait à des rituels occultes, au vaudou, à ce genre de truc, un peu à la magie noire. Mais cette femme, voilà, c'est celle qui s'occuperait du petit garçon et qui aurait été quand même assez proche de lui. Et donc en fait, ça serait dans l'année 1906 que Madame Otto, elle aurait surpris cette femme en train de s'adonner à des rituels bizarres, des rituels un peu occultes, du vaudou, enfin voilà, des bails chelous quoi. Et elle aurait été vraiment choquée de voir ça forcément, parce que c'est pas très répandu. Du coup, elle l'aurait renvoyée. Et cette femme, du coup, avant de partir, aurait voulu offrir une poupée au petit garçon. Donc c'est vrai que la mère, sur le coup, s'est dit, bon, c'est vrai que je l'ai envoyée, mais en même temps, elle était très proche de mon fils, donc pourquoi pas, Robert, prends ta poupée et madame, au revoir. Il faut savoir que quand la femme a offert la poupée au petit garçon Robert, il avait alors 6 ans et il faut savoir aussi que la poupée elle faisait genre 1 mètre de haut, donc elle avait vraiment la taille d'un enfant, donc en fait finalement elle avait carrément la taille de Robert. Il s'est mis du coup à kiffer sa poupée et comme du coup elle faisait un peu sa taille et qu'elle devait lui ressembler, il a décidé de lui donner son prénom Robert et il a d'ailleurs dit à ses parents par la suite qu'il voulait du coup s'appeler par son deuxième prénom qui était Eugène. Donc déjà la poupée porte son prénom, on est sur un premier élément un petit peu bizarre, un peu schizo, mais bon, je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, c'est pas encore trop dramatique, vous allez voir par la suite. Et en fait, cette femme, elle aurait voulu donner cette poupée au petit garçon juste avant de partir comme un petit cadeau d'adieu. Sauf que la légende dit que ce serait un peu à cause d'elle que tout s'est passé, parce qu'en fait, elle aurait fait peut-être des rituels un peu chelous sur cette poupée. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, les parents ne le savaient pas et ils ont laissé le petit garçon de 6 ans garder la poupée. Le corps de la poupée, il était fait en tissu et il était rempli de paille. Il avait également du coup deux petits boutons noirs à la place des yeux et ses cheveux, ils étaient faits avec de la laine. Enfin, c'était vraiment une poupée très travaillée et de qualité, donc je pense que c'est aussi pour ça que le petit garçon l'a gardée et qu'ils se sont pas dit bon bah on la jette quoi. Et puis comme je vous l'ai dit, elle faisait 1 mètre de haut, donc elle était assez imposante. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Robert, maintenant appelé Eugène, s'est vraiment attaché à sa poupée et en fait, il ne se séparait plus d'elle, c'est-à-dire qu'il faisait tout avec elle. Le soir, il la mettait dans son lit et il dormait avec elle. J'ai même vu que quand il mangeait, il lui donnait à manger discrètement. Enfin vraiment c'était devenu son meilleur pote. Sauf que bah du coup ça devenait un peu malsain. Mais pour l'instant rien n'inquiétait les parents, parce que c'était juste sa poupée quoi. Après il avait 6 ans tu vois, normal, il a une poupée. Mais du coup c'est vrai qu'avant même qu'il y ait des bails bizarres, la poupée elle prenait déjà une place très très importante, on va dire, dans la vie d'Eugène. Elle avait vraiment son espace, la poupée quoi. Mais c'est vrai que du coup pour l'instant ça n'inquiétait pas vraiment les parents, parce qu'ils voyaient ça plutôt comme un petit jeune enfant qui était plutôt mignon, avec un petit garçon qui s'était vraiment pris d'amour pour sa poupée et qui la traitait comme finalement son ami. Sauf que il va du coup se passer pas mal d'événements qui vont faire qui vont commencer un petit peu à s'inquiéter par rapport à cette poupée. Donc déjà, premier truc assez chelou, c'est que les parents finalement des fois ils passaient devant la porte de leur petit garçon et ils entendaient finalement une voix qui était celle de leur petit garçon qui parlait à sa poupée. Sauf que le truc très étrange, c'est qu'ils entendaient une voix lui répondre. Donc au début les parents ils se sont dit bah ça doit être notre enfant qui chante sa voix en fait pour faire la voix de la poupée. Sauf que le temps avance et ils se rendent compte que c'est vraiment une voix différente et que la voix c'est souvent une voix qui est violente et en fait c'est carrément des disputes qu'ils entendent
entre l'enfant et la poupée. Ils entendent même des fois des cris et ça va super loin parce que des fois les parents ils rentrent dans la chambre et ils voient l'enfant en fait, Eugène, qui était couché par terre genre en position fœtus et la poupée qui était comme ça sur le lit ou sur une chaise en mode pas de soucis, tu vois, comme si la poupée en gros elle persécutait un peu l'enfant. Donc là ça a commencé à alerter les parents et surtout ce qui fait que les parents ont compris que c'était vraiment pas la voix de leur petit garçon, c'est que la voix semblait vraiment émaner de la poupée et qu'elle avait une tonalité plus grave, vraiment une voix grave comme celle d'un adulte en fait. Et c'est du coup de là aussi que ça se rapproche un peu de l'histoire de Chucky dans le film où c'est vraiment une voix un peu rauqueuse, une voix d'homme mais vraiment adulte dans ce petit corps de poupée et ça va vraiment pas ensemble et ça fait vraiment trop bizarre d'entendre ça quoi. Et c'est vrai que du coup souvent des fois les parents débarquaient dans la chambre et ils trouvaient Eugène en train de fixer très très étrangement la poupée, un peu comme si finalement il en avait peur. Et également souvent le petit garçon Eugène il se réveillait la nuit en criant parce qu'il faisait des gros cauchemars et tout, enfin il avait vraiment des nuits agitées, enfin ça commençait vraiment à devenir plus du tout une partie de plaisir pour lui quoi. Et bizarrement les parents voyaient vraiment un lien avec la poupée, comme si c'était un peu lié qu'il y avait un problème et que l'enfant dormait super mal à cause de la poupée quoi. Et là ça a commencé à dégénérer quand un soir les parents ont entendu un énorme vacarme venant de la chambre du petit garçon et quand ils sont arrivés ils ont vu qu'il y avait plein d'objets qui étaient renversés, il y en avait vraiment de partout et il y avait l'enfant qui était apeuré en train de dire c'est Robert qui l'a fait. Robert did it, sous-entendant que c'était pas du tout lui qui avait renversé tous les objets. Du coup vraiment la famille commença à s'inquiéter des problèmes et même les serviteurs voyaient qu'il y avait un souci avec la poupée. Il y avait également eu d'autres rumeurs super bizarres concernant la poupée. Des serviteurs et d'autres gens passant devant la maison avaient vu la poupée passer d'une fenêtre à l'autre dans la chambre de Eugène. Et en fait voilà, il la voyait vraiment se déplacer et c'est vrai que les parents n'y croyaient pas vraiment mais en même temps dès qu'ils rentraient chez eux ils se rendaient compte que la poupée avait changé de place. Ça ressemble un petit peu à l'histoire d'Annabelle sur ce côté là parce que c'est vraiment l'histoire que voilà quand tu rentres dans la pièce la poupée a vraiment changé d'endroit, t'as beau la poser sur ton lit quand tu rentres elle est sur ta chaise etc. Et c'est plein de trucs qui mis bout à bout tu te rends compte qu'il y a un gros problème. Parce que là c'était quand même parti loin parce que la poupée elle gueulait sur l'enfant donc là c'était un autre level. Et c'est vrai que cette poupée elle avait effrayé beaucoup de gens parce qu'elle était vraiment très très étrange et certaines personnes pensaient même qu'elle les écoutait, qu'elle la voyait. Enfin, vraiment, il y a eu toute une histoire autour de cette poupée et de ses yeux parce qu'elle avait un regard perçant avec ses deux boutons noirs et que finalement elle agissait comme si c'était une vraie personne. Les parents la voyaient parfois même courir de pièce en pièce et elle croyait même entendre son rire. Donc voilà, ça partait vraiment en steak. Et surtout de nombreux serviteurs ont fini par démissionner un par un parce qu'en fait ils se rendaient compte qu'il y avait un gros problème avec la poupée. Et c'est du coup tout ça qui a fait que les parents se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème et sous les conseils de quelqu'un du coup ils ont décidé de prendre la poupée, de l'arracher un peu à Eugène et de la mettre du coup dans le grenier dans une boîte pour qu'elle y reste un peu plus longtemps que prévu parce que clairement elle commençait à faire pas mal de bordel. Du coup là on a une ellipse dans l'histoire puisque là on va arriver plusieurs années après où Eugène est devenu maintenant un adulte. Donc Eugène était devenu un artiste peintre et avait trouvé une femme qui s'appelait Anne. Il l'avait rencontrée d'ailleurs lors de ses études à Paris et du coup il se quittait plus. Et du coup à la mort de son père le jeune homme décide de retourner dans son manoir, dans le manoir de son enfance et il se dit qu'il pourra sûrement s'installer et mettre une pièce pour son atelier de peinture. Maintenant il a sa femme, il est bien donc voilà, il pense qu'il n'y a pas trop de problème à revenir chez lui. Du coup Eugène emménage dans la maison et finalement il se met à retrouver sa poupée Robert qui était du coup toujours dans le grenier et du coup juste en la voyant il se remet à développer une vraie passion pour elle en fait. C'est comme si en la voyant il changeait un peu de personnalité et il se mettait à l'adorer, à plus vouloir la quitter alors qu'en fait une fois qu'il était loin d'elle il en avait plus spécialement envie. Du coup il se remet à avoir une vraie passion pour elle et il se dit carrément je vais lui faire une chambre dans le grenier. Il a mis des petits meubles à sa taille et il l'a installé dans le grenier. Donc ça devient très glauque parce qu'on parle quand même d'une poupée. Faut savoir quand même aussi, je le précise, que sa femme du coup à Eugène, donc Anne, elle avait vraiment un problème avec cette poupée. Elle comprenait pas ce que Eugène lui trouvait, enfin elle trouvait qu'elle était bizarre, qu'il y avait un problème avec cette poupée. Elle avait souvent des frissons quand elle la regardait dans les yeux, enfin elle avait vraiment un mauvais pressentiment parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens dans ce genre d'histoire qui sentent qu'il y a un problème. Comme la poupée Annabelle, il y avait des gens qui pareil la sentait pas. Du coup elle est vraiment un peu énervée même que Eugène il soit trop attiré par cette poupée, qu'ils veulent même pas s'en séparer, qu'il lui fasse une chambre dans le grenier et tout. Enfin Anne elle comprend vraiment pas quoi. Le temps passe un petit peu et finalement Eugène en vient à dire à sa femme que Robert ne se sent pas bien dans le grenier et qu'il voudrait finalement plus de lumière. On parle d'une poupée, oui oui oui. Du coup même si sa femme n'a pas du tout envie, il décide de lui installer une chambre au troisième étage et de le mettre finalement sur un fauteuil, de lui faire sa petite chambre au calme. Sauf qu'à partir de ce moment là les enfants qui passaient à côté du manoir se sont mis à dire qu'ils voyaient finalement la poupée bouger, changer de place, passer dans la fenêtre sans problème. Et les enfants disaient même que la poupée finalement grimaçait, se moquait d'eux
et dansait carrément. Donc là on est parti sur un level où la poupée se met à danser. Et du coup c'est vrai que ça a développé un petit peu une peur autour de ce manoir et les enfants n'osaient plus trop s'en approcher parce qu'ils avaient vraiment peur de la poupée Robert qui les observait, qui se moquait d'eux comme ils disaient, qui bougeait, qui dansait. Enfin il y avait vraiment tout un mystère autour de ce manoir. C'était vraiment la poupée qui causait tout le reste. Le temps passe et la relation entre Eugène et sa femme devient un peu compliquée. Leur mariage va mal clairement. En fait Eugène il a un peu des périodes où il devient complètement fou, il casse des trucs, il devient colérique, il devient méchant, même presque brutal. Et en fait après des fois il revient normal tout d'un coup et il dit juste à sa femme Robert delete. Finalement sa femme se rend compte, je pense que son comportement change même à cause de la poupée et ça va aussi loin que ça quoi, ça va carrément lui modifier sa personnalité, le faire faire plein de trucs qu'il aurait pas fait dans la vie normale. Sauf que du coup à chaque fois il redevenait normal et il finissait toujours par s'excuser, du coup bah leur relation elle stagnait un petit peu quoi. Donc du coup finalement sa femme a commencé un petit peu à douter de sa santé mentale et s'est juste dit bon bah je pense que mon mari est fou. Entre la poupée et le fait qu'il ait des crises où il devient complètement fou, il casse des trucs et il change de comportement, elle s'est vraiment dit qu'il avait un problème. Et puis du coup le temps a passé et brusquement en 1970 Eugène est tombé malade, gravement malade. Et finalement, contrairement à ce que quelqu'un de normal aurait pu faire, un petit peu voir ses amis ou en tout cas voir sa femme, il s'enfermait tout le temps. Il était mal, mais en plus de ça, il restait avec sa poupée, il l'avait toujours avec elle. Et finalement, quand en 1972, il mourut, bah sa poupée était toujours là en fait. Il s'enfermait avec elle dans la chambre d'amis jusqu'à sa mort, clairement. Donc Anne avait vraiment le cœur brisé et du coup, elle a décidé de déménager clairement pour partir loin de ce manoir, loin de cette poupée et du coup, bah loin de son chagrin qui était d'avoir perdu son mari, clairement. Mais du coup, c'est vrai que jusqu'à sa mort, Eugène, il aura toujours garder la poupée avec lui, donc c'était vraiment un rapport chelou entre les deux quoi, clairement. Du coup elle est partie s'installer à Boston, Anne, pour changer d'air et du coup la poupée elle est revenue à sa place d'origine qui était le grenier jusqu'à ce qu'une nouvelle famille s'installe. En 1974 du coup il y a une nouvelle famille qui s'installe, c'est la famille Rutter et du coup cette famille se compose de parents mais également d'une petite fille qui s'appelle Myrtle et qui a 10 ans. Et du coup cette petite fille bah elle va tomber sur la poupée Robert forcément qui est toujours au grenier, donc forcément la petite fille elle voit la poupée, elle se dit qu'elle pourrait l'emmener avec elle, sauf qu'elle se rend pas compte qu'en fait elle est toujours hantée et qu'il y a vraiment un problème et la petite fille se lie d'amitié avec la poupée immédiatement. Et le soir même en fait quand elle a fait dormir Robert dans sa chambre il se serait passé des trucs bizarres, genre les meubles auraient bougé tout seul, ça aurait fait un vacarme genre horrible et la poupée se serait agitée dans son sommeil, enfin c'était vraiment la merde quoi, clairement. La première nuit c'était déjà fini, Robert avait repris sa place de poupée diabolique et c'était vraiment chaud parce que la petite fille aurait même dit qu'elle aurait vu la poupée courir et sauter sur son lit. Donc là on est un level au-dessus clairement, une poupée qui court, j'ai peur. Ensuite, plus tard, la famille aura déménagé, la petite fille aura emmené la poupée avec elle et puis brusquement un jour, en 1994, elle l'a donnée à un musée. Ce musée, il s'appelle Fort East Martello. Donc elle l'avait donnée au musée en affirmant que la poupée se déplaçait toute seule et que tout simplement elle était hantée, donc elle en voulait plus. Donc elle l'a donnée à ce musée en espérant qu'elle n'en entendrait plus jamais parler. Et Myrtle, du coup, mourut quelques mois plus tard. Aujourd'hui, la maison d'Eugène est considérée comme une maison un petit peu hantée, même carrément. C'est devenu un bed and breakfast. J'ai lu ça dans l'article et du coup, il y a clairement des gens qui iraient, sauf que cette maison serait hantée sûrement par la femme de Eugène qui est Anne. Et la légende dit que le fantôme d'Anne protégerait finalement cette maison de l'esprit malveillant de Robert. Il faut savoir que la poupée est toujours dans le musée à l'heure actuelle, enfermée dans une boîte en verre. Et il y a encore du coup des visiteurs qui peuvent venir la voir. En fait, c'est un peu comme la fin de Annabelle en fait finalement. Annabelle qui était enfermée dans un musée, le musée d'occulte. Le problème étant que des visiteurs peuvent encore passer les voir parce que du coup forcément quand il y a eu un bail de poupée hantée, les gens en profitent pour faire du business, pour faire du blé. Du coup bah, je pense que ça attire forcément les gens. Mais du coup voilà, même une fois enfermée dans son socle de verre, il y aurait eu quand même des embrouilles. Par exemple les gens qui parfois essayaient de prendre en photo la poupée, et ben en fait tout simplement leur téléphone ne s'allumait pas, ou alors le flash ne s'allumait pas, ou la batterie ne marchait pas et en fait ils pouvaient juste pas prendre de photos. Et en fait en sortant du musée ça remarchait comme si vraiment la poupée voulait pas qu'ils les prennent en photo. Et genre les gens ils avaient vraiment peur d'elle et que bah souvent ils pouvaient pas la prendre en photo, ou alors fallait lui demander son avis, savoir si elle était d'accord, sinon tu pouvais vraiment genre bah avoir des problèmes quoi. Donc voilà, il y a eu sûrement beaucoup de cas pour que ça se dise comme ça, c'est qu'il y a eu des cas de gens qui n'ont pas dû la respecter, genre l'insulter, et qui après ont dû avoir des gros problèmes ou voire mourir clairement. C'est peut-être un peu exagéré mais après c'est possible parce qu'en même temps on n'y était pas, on peut pas trop savoir sur cette histoire là. D'ailleurs à ce qui paraît la pièce où serait enfermé Robert de Dole, il y aurait en fait plein de lettres recouvertes sur les murs, des lettres en fait de gens qui lui demanderaient leur pardon parce que bah ils ont pas dû le respecter et qu'ils ont dû avoir des problèmes par la suite. Donc voilà, c'était l'histoire de Robert the Doll, Robert la poupée.
paix, qui est donc cette histoire qui a inspiré Chucky. Et d'ailleurs, un vrai film aussi, je vous l'ai pas dit ça, mais sachez qu'il y a un vrai film qui a été sorti, ça je savais pas du tout, en faisant mes recherches. Pour moi, il y avait que le Chucky qui avait été inspiré de cette histoire. Mais en fait, faut savoir qu'au final, Chucky, les films, ils s'en sont inspirés, mais ils ont fait une histoire assez lointaine. Alors qu'en fait, il y a eu un vrai film qui est sorti en 2015, je crois, qui s'appelle Robert, je vous mettrai l'affiche du film, et qui est pour le coup vraiment un film inspiré de l'histoire. Je l'ai pas vu, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il a eu des très mauvaises notes, donc peut-être qu'il y a eu un gros flop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vais vous donner mon avis vite fait, bien fait. Moi, je pense que comme Annabelle, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je crois un peu, même pas mal à ces trucs-là, donc je pense qu'il y a eu du vrai dans l'histoire. Je pense que c'est possible que des esprits, des énergies négatives s'imprennent des objets, ou même veuillent les posséder, ça j'y crois moins, mais c'est possible, en temps n'y était pas. Après, je pense que quand même, quand il y a une histoire comme ça qui se passe, je pense que les gens en profitent beaucoup pour exacerber le problème, pour en rajouter des tonnes, pour en faire de la thune aussi, pour comme le truc du musée où il y a carrément une malédiction qui s'abat sur toi quand tu prends une photo. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui sont vraiment exagérés, mais que le fond de l'histoire est sûrement vrai, parce que c'est vrai que bah, il y a vraiment eu des vraies rumeurs là-dessus, et que c'était une vraie poupée qui aurait vraiment eu des mauvaises énergies. Cette histoire, elle est quand même flippante, parce que comme on peut le voir, t'as beau partir de la baraque, quelques années après il y a une nouvelle famille qui s'installe, il y a encore le même problème. Et puis c'est vrai que pour le coup, comparé à Annabelle, ils auraient vraiment vu la poupée marcher, sauter sur le lit. On est parti sur un délire bien plus obscur que Annabelle, où juste elle bougeait de pièces. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les films Chucky sont vraiment plus trash, si on peut dire, que Annabelle, étant donné que vraiment la poupée, elle se balade quoi, elle a un couteau à la main, elle veut tuer des gens. On est vraiment moins sur du paranormal mais plus de la fiction. C'est d'ailleurs pareil pour Annabelle, mais je veux dire, Chucky, ça allait vraiment loin. En tout cas voilà, moi j'ai bien kiffé cette histoire, j'espère que vous aussi. Moi je vous aurais raconté les grandes lignes, je pense qu'on a à peu près tous compris le problème de cette poupée. Si vous avez d'autres idées, encore une fois, dites-les moi en commentaire pour des vidéos d'Halloween, je suis preneuse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, parce que c'est très important pour recevoir une notification quand je sors une vidéo, étant donné que mes vidéos ne sont pas tout le temps mises en avant. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.